Ouais, je pense que c'est les 3 points qu'il faut retenir. Je pense qu'on a fait une entame de match un peu délicate où on prend ce but un peu contre le cours du jeu. Et je pense que c'est un mal pour un bien, ça nous a réveillés, on a réagi vite, on n'a pas baissé les bras et on arrive logiquement à la mi-temps à 3 buts à 1. De beaucoup d'abnégation pour revenir dans la partie après avoir été mené très, très tôt, mais on a joué notre jeu, fait à base de mouvements et beaucoup de passes, et puis on a su accélérer quand il fallait. Je pense que ça a été très très dur pour Alfortville à un moment donné. C'était mon premier match titulaire de l'année, donc ça fait du bien. J'ai pas mal de blessures depuis le début, donc content d'être titulaire ce soir et puis content de marquer aussi. Petit relâchement en étant un peu moins exigeant, voilà, tout simplement, sur une lutte aérienne, sur un ballon qui retombe. On ne sort pas au pressing, on ne sort pas cadrer le porteur, ils peuvent frapper 2 fois. Voilà, c'était déjà arrivé en tout début de match, 3 buts se ressemblent beaucoup. S'aperçoit que ben, tout ce qu'on peut dire dans la semaine à l'entraînement, sur les séances, de tout le temps être investi, tout le temps être dans le jeu, tout le temps être concentré, quand on n'y est pas, voilà ce qui se passe. Donc ça, de part, ça va nous servir, parce que gagner un match comme ça, 6-0, comme ça aurait dû être le cas, je ne suis pas sûr qu'on aura tiré beaucoup d'enseignements. Un 6-3 avec les petites erreurs qu'on a commises, ça va nous servir pour corriger certaines choses.